Ben voilà. On m'a essayé Indica, espagnol, verde, alors. Ça me coûte point. Je ne sais pas s'il va piquer ou pas. Mais bon, on verra la tête après. C'est de Indica qu'on a acheté à Carrefour en promotion de produits espagnols. Mais bon. David, ça a pas l'air de piquer. Ça pique pas? Non, ça. Ça pique quoi? Peut-être que ça pique un petit peu après, je sais pas. Normalement, la rindilla, ça pique. Alors, Ça pique. Ça pique, David? Je pense que oui, parce qu'on commence à faire l'échange des couleurs. Des blancs juste à rouge. Oui, ça pique. Et mayonnaise. Non, ça pique mucho. Et ce sont là-bas. C'est le goût, c'est dégueulasse ou quoi? C'est des petites boules là qui piquent. Ben voilà, les gaines peut-être. Les reins que j'ai dit qu'il y a de l'intérieur. Tiens, tu restes ici, hein. Attends, je bois. Non, tu ne bois pas. Tu attends un petit peu, hein, c'est que les enfants qu'on les sont punis. Alors, tu restes 10-15 secondes, comme ça, que ça pique un petit peu, et après tu peux voir. Il va vomir. C'est ça les guindillas espagnols, tu veux, c'est ça. Quoi? Guindilla. J'ai plus ma langue. T'as vu? Mais c'est pas grave alors. Et seulement avec un.